Alors chef de pont, déjà je suis responsable d'une équipe de une personne, ce qui n'est pas donné à tout le monde. C'est pas facile à gérer tous les jours. Donc en gros, le chef de pont, il est en charge de tout ce qu'il y a sur le pont. On a tout l'accastillage du bateau, il y a les winches, c'est ce qui permet de démultiplier un peu les forces, par exemple pour hisser les voiles, pour régler les voiles, etc. Après, il y a tout le gréement à gérer. Donc régulièrement, il faut monter dans le mât pour vérifier que tout soit bien en place, que les manilles ne se desserrent pas, etc. Enfin voilà, c'est de la maintenance permanente pour éviter que les choses cassent. Voilà, on essaie de prévoir avant. Les winches, on les démonte assez régulièrement, on les regraisse, etc. On les nettoie, on les graisse. Voilà, en fait, tout est exposé à l'environnement extérieur, hein, au sel, au froid, etc. Donc ça fragilise un petit peu tout. Donc ça demande un entretien vraiment régulier, quoi, hein, de tout vérifier. Donc on a dit l'accastillage, les winches, le gréement, puis aussi les annexes, les zodiacs, là, qui sont sur le pont du bateau, à vérifier régulièrement, à regonfler, à faire un check-up des moteurs, etc. Donc voilà, c'est quand même essentiellement à l'extérieur. Et puis après on est tous un peu polyvalents sur le bateau, donc on va aussi filer des coups de main en moteur, dans les moteurs. Si les toilettes sont bouchées, ben, on va également aider pour ça. Enfin voilà, on participe un peu à tout. Et puis après, il y a aussi les quarts. On est tous, les marins à bord sont tous responsables pendant les quarts, en charge du bateau. Donc voilà, c'est un ensemble de choses. Et après, on a tous un peu une spécificité, quoi.